Amen, c'est ça qui nous rend parfaits. Amen. Amen. C'est Christ en nous. Vous savez, Paul l'a dit, les mystères cachés de tous les temps. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est ça le mystère. Amen. Christ dans l'homme, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu soit béni alors que nous allons tenir debout. Nous allons lire dans Matthieu. Amen. Ce que nous avons lu vendredi soir, Matthieu chapitre 7. Nous commençons au verset 13. Nous allons poser du verset 13 et 14. Amen. Amen. Une très belle salle, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci. C'est très joli ici. Amen. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. Matthieu chapitre 7, 13 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Jean chapitre 8. Commençons au verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham. » Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, les fils y demeurent toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et que je viens, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Voyez-vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Amen. Amen. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Amen. Amen. Donc quand on ment, donc nous savons d'où nous venons. Mais à chaque fois une personne ment, il connaît son père. Parce qu'ici, ils nous disent qu'il y a les pères du mensonge. Amen. Donc les enfants de Dieu ne mentent pas. Non. Amen. Amen. Et moi, parce que j'ai dit la vérité, vous ne me croyez pas. Hein? Qui de vous me convaincra des péchés? Amen. Amen. Je ne dis pas parce que les péchés, c'est l'incrédulité. Oh, Jésus n'était pas incrédule. Amen. Jésus a pris à la parole qu'il a entendu dire au Père. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il a dit, qui me convaincra du péché? Amen. Parce Amen. Que lui, il croyait la parole. Yes, Amen. Si nous croyons la parole, de tout notre cœur,
Amen. Nous n'avons pas de péché. Amen. Amen. Parce que quand on croit, on ne fait pas du mal. On ne pêche pas. Amen. Que Dieu soit béni. Et il dit, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Amen. Et les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Amen. Maintenant, lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je les connais, et si je disais que je ne les connaissais pas, je ne les connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je les connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Amen. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Je vous assois. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Nous avons confiance dans la prière que le frère a faite tout à l'heure. Amen. Je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. C'est quoi ça? Je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Et simplement, comme nous venons de le lire, nous voyons, comme nous avons dit ça vendredi soir, cette discussion ne s'est passée pas dans un supermarché. Amen. Amen. Ça ne s'est passé pas non plus dans une boîte de nuit ou bien dans la rue. C'est une discussion qui s'est passée dans un temple consacré à Dieu. Amen. Donc les gens qui sont partis adorer le Seigneur, amen, et se sont retrouvés avec Jésus-Christ, le fils de Joseph. Amen. Amen. Alors, c'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Toi, tu es charpentier, nous connaissons ton père et ta mère et toutes ces choses. D'ailleurs, ta naissance n'est pas trop claire. Bien, ta mère, il y a quelque chose qui n'a pas joué. Ta mère n'est pas mariée selon les messages. Vous voyez? Amen. Ta mère n'est pas mariée selon les messages. Et toi, déjà, ta situation ne te permet même pas de parler ici. Amen. Parce que, tu vois, ton père et ta mère, c'est compliqué. Avant le mariage, ils ont fait quelque chose. Et toi, tu es un enfant illégitime. C'est un bâtard. Donc, c'est ça, Jésus. Parce qu'il les connaissait. Vous voyez? Mais lui, vous voyez, il y a une discussion qui est là entre les croyants et la parole qui était debout devant eux. Alors, eux, ils disaient qu'ils ont pour père Abraham. Vous voyez? Et lui, il disait que il vient de Dieu. Donc, il est fils de Dieu. Amen? Amen. Voilà, on va développer ça. Mon sujet, donc, c'est la continuité de ce que nous avons prêché dans cette histoire. Le plus grand obstacle à surmonter. Et nous avons vu que Frère Bambou nous dit que ces gens-là, ces juifs, ces pharisiens, ces sacrificateurs, ils avaient un sérieux problème. Amen. Bien qu'ils allaient à l'église, bien qu'ils prêchaient la loi, bien qu'ils se comportaient comme des vrais adorateurs de Jésus, mais le problème c'est que ils avaient un problème, la porte était trop étroite pour eux. Ils ne pouvaient pas entrer dans les royaumes. Après avoir fait toutes ces choses qui sont vraiment très importantes pour des adorateurs de Dieu, des choses qui sont très importantes pour des croyants du message. Amen. Amen. Mais Jésus dit que la porte est trop étroite. C'est-à-dire que malgré tout ce que nous avons fait, toutes les églises que nous avons battues, nous avons changé tous nos garde-robes,
Amen. Amen. Nous avons dépensé toute notre fortune pour changer des habits, parce que nous sommes devenus des frères et des sœurs. Mais Jésus dit, étroite est la porte. Amen, amen, amen. Je paye ma dîme. Et quand je reçois mon argent, la première chose que je fais, je paye ma dîme. Étroite est la porte. Mais finalement, il faut vraiment nous dire, parce que c'est le prophète qui parle. Amen. Amen. Ouais, c'est un prophète qui parle. Le problème de ces gens, c'est qu'ils ne pouvaient pas voir Dieu dans la chair humaine devant eux. Amen. Après avoir fait toutes ces choses-là, qui étaient très bons, mais pour qu'ils entrent dans le royaume, il fallait croire Dieu dans la chair humaine. Amen. Il fallait qu'ils puissent croire que ce Dieu-là qu'ils adoraient, que ce Dieu qu'ils invoquaient était devant eux. Amen. 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 Au travers d'un jeune homme qui n'est pas parti à l'école, au travers d'un jeune homme qui n'est pas né dans les messages. Amen. Amen. Voilà. Jésus n'était pas né dans le message. Amen. Mes soeurs. Hein? Jésus, il est venu de nulle part. Hein? Son histoire est un peu bizarre. Il était clochard. Amen. La Bible dit qu'il n'avait pas de place pour mettre sa tête. Donc il dormait aujourd'hui ici, demain là-bas. Donc sans domicile fixe. C'est Jésus que les gens attendent, un clochard. Parce que si ce clochard-là se trouvait en ville aujourd'hui, comment les gens sauront que c'est lui, c'est Jésus-là? Amen. Oui. Hein? Oui. Mais eux, ils étaient dans toutes choses, ils étaient impeccables. Donc, ils vivaient selon la loi de Moïse. Ils marchaient même selon la loi. Tout était impeccable, rien à dire. Amen. Personne ne pouvait rien dire à ces gens-là, parce que l'apparence était magnifique. Amen. Ils étaient très, donc sur tous les plans, frères, sur tous les plans, du point de vue comportement, du point de vue apparence, rien à dire. Ils étaient différents de toutes les autres personnes, parce que eux, ils étaient des hommes et des femmes consacrés. Amen. Donc, et les sacrificateurs là, c'était des générations et des générations qu'ils étaient sacrificateurs. Amen. Donc, les enfants qui naissaient, amen, ils naissaient déjà dans les messages. Donc, ils connaissaient déjà les prophètes. C'est vrai. Amen. Amen. Donc, les enfants, ils ont étudié dans les écoles du message. Amen. Amen. Parce que, frères et sœurs, ça c'est très bien. Amen. La Bible nous dit, allez par le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Frère, si vous commencez à construire des écoles, vous commencez par l'école maternelle, c'est très bien. Alors, il faut continuer avec l'école primaire. Quand vous construisez les écoles primaires, vous devez construire des universités. Après avoir construit des universités, il faut faire des usines. Il faut faire des compagnies pour que les enfants ne soient pas en contact avec l'extérieur. Parce qu'ils vont, sinon ils vont rétrograder, frères et sœurs. Amen. Parce que nous préservons les enfants. Aider Dieu. Hein? Il faut que les enfants soient impeccables sur tous les plans. Il faut qu'ils apprennent à parler le message. Amen. Il faut qu'ils apprennent à s'habiller le message. On les amène à l'école du message. Amen. Ils travaillent dans une entreprise du message. Les directeurs de l'entreprise du message. L'argent qu'ils gagnent du message. Tous les messages sont des vrais païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont fait aucune expérience avec Jésus. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Parce que donc, depuis qu'ils sortent du ventre de leur maman, ils sont déjà frères du message. Amen. Frères, nous avons vu des histoires. Ils sont nés dans les messages, faire tout dans les messages, mais qu'on les laisse un moment avec des gens qui ne sont pas du message, sont des vrais hypocrites. Non, c'est vrai. Sont des vrais pharisiens. Ils ne supportent pas de regarder une femme. Amen. On a vu un. Amen. Amen. Oh, la télévision, c'est mauvais la télévision. Ok, c'est mauvais.
Mais quand il a pris le goût de la télévision, il va chez les gens, il prend carrément la télévision, il met ça de son côté. Et il commence à frapper les enfants de la maison. À cause de la télé. Mais il est né dans les messages. Grandi dans les messages. Frère, toutes ces choses-là, c'est très bien. Frère, vraiment, ne me comprenez pas mal. Hein. Amen. Il faut que nos sœurs s'habillent comme les messages. Amen. Je suis d'accord avec lui. Il faut que nous aussi, nous puissions nous habiller comme le frère dit, message. Mais Jésus nous dit, étroite est la porte. Amen. Amen. On avance. Ça, c'est bon. C'est très bien. Hein? C'est toi qui es sur le message, n'est-ce pas? Amen. Hein? Oui, tout c'est le message, vous voyez? Manger les messages. Hein? Respirer les messages. Eux, ils l'ont fait plus que nous. Amen. Les pharisiens, eux, ces gens-là qui étaient devant Jésus, ils ont, tout ce que nous faisons cela, eux, ils ont fait plus que nous. Ça, c'est vrai. Sur tous les plans. Parce que eux, c'était vraiment, les sabbats, quand on appelle les sabbats, personne ne bouge. On ne fait rien du tout. Parce que c'est les sabbats, il faut adorer. Amen. Amen. Oui. Ils peuvent même, nous, parfois, à la maison le dimanche, par internet, nous payons. Mais c'était strictement interdit. Mais il y a un monsieur qui est venu avec ses disciples. Lui, les sabbats, il a envoyé les disciples pour aller au champ parce qu'ils avaient faim. Amen. Donc, en fait, quand Jésus était venu, tout ce qu'il faisait, c'était contraire à ce que les pharisiens faisaient. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas les croire, frère. Amen. Vous savez, mais toi, la loi dit ceci, toi, tu fais autre chose. Ça signifie quoi, ça? Mais il a dit que le fils de l'homme est le maître du sabbat. Amen. C'est lui qui était le maître du sabbat. Dieu n'attend pas qu'une loi quelconque pour accomplir sa parole. Quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait quand il le veut. Amen. 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 Souveraineté. Amen. 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 Alors, nous allons lire le prophète. Parce que ça sera mieux qu'on le lise, parce que c'est lui la bouche autorisée. Dans la porte étroite. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre la deuxième partie, parce que ces hommes-là, eux, ils se sont référés à Abraham. Parce que c'est lui qui était leur père. Dans tout ce que Jésus leur disait, ils se référaient toujours à Abraham. Maintenant, nous allons voir, parce que Jésus dit, mais si vous étiez des fils d'Abraham, mais quand Abraham a été là, mal vu, il a tressailli de joie. Parce que j'ai fait quelque chose devant lui. Il a reconnu cette chose-là. Remarquez, quand Abraham et Sarah ont cru la promesse, la première chose qui a été changée, c'était le changement de corps. Amen. 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 Le fait de croire la promesse, ils ont été changés physiquement. Amen. Frère Abraham nous dit qu'après cela, Sarah a fait 500 kilomètres. Pour aller dans un pays étranger. Et quand le roi de ce pays-là a vu Sarah, et il a aimé Sarah. Il n'a pas aimé en esprit. Physiquement. Hein? Ce n'était pas des choses spirituelles là. De toute façon, tout ce qui était dans l'Ancien Testament, c'était des choses physiques. Amen. C'était des choses matérielles. Amen. C'était des choses palpables. Amen. Yeah. Et c'est parce que dans un royaume, vous vous rendez compte, nous sommes au Royaume-Uni ici. Donc le roi, il y a beaucoup de très belles femmes qui sont dans ce pays-ci. Mmh. Amen. Mmh. Des très très belles jeunes filles. Mais quand le roi Abimelech a vu Sarah, il a dit qu'elle était belle de figure. Une mémé, une vieille. Oui, parce qu'elle avait 90 ans, 90 ans, n'est-ce pas? Hein? Donc nous prenons une femme de 90 ans là. Que le roi qui passe là plus les mains. Hein? Toute la peau tombe comme ça. Et puis le roi, c'est alors qu'il y a des belles filles là. Mais Abimelech a pris cette fille là parce qu'elle était belle. Amen. Amen. Donc son corps a été changé. Changé. Amen. Amen. Et il y a autre chose. Abraham qui était mort. Amen. A été changé, a été stimulé physiquement jusqu'à ce qu'il a donné un enfant. La révélation a amené, amen, oh là, nous ne sommes pas là aujourd'hui, mais la révélation, un homme mort, amen,
était debout pour donner la vie à cause de la révélation. C'est magnifique, ça, mais ça c'est pour une autre fois. Amen. Amen. Voyez, alors, eux, ils se référaient à Abraham. Jésus leur dit, mais votre père, quand il a vu mon jour, il a tressailli de joie. Yeah. Mais qu'en est-il de vous? Parce que si vous étiez ses fils, vous aussi, vous alliez être content de me voir. Exact. Amen. Et frère Abraham nous dit, hein, c'est référent de ce qui s'est passé avec Abraham. Dans la porte de toi, toujours. Et le 1er mars 59, paragraphe 66. Ainsi, un jour, trois hommes sont venus. Hein, nous avons chanté, ne craignez pas, petit troupeau. N'ayez pas peur des mots. Amen. N'ayons pas peur des mots. Je les répète, n'ayons pas peur des mots. Un mot, c'est un mot. Amen. Et un mot a une signification. Amen. Oui. Qu'on n'ait pas peur des mots et des phrases. Je crois que le Seigneur contrôle les choses. Hein? Il contrôle les bouches et les pensées. N'ayons pas peur des mots. Amen. Parce que nous sommes venus ici, amen, pour parvenir à la stature de l'homme parfait. Amen. Et cela vient par la parole. Amen. Amen. Toute parole est utile, hein, pour corriger, convaincre, instruire. Amen. Amen. Dans le Timothée là. Ainsi un jour, trois hommes sont venus, ils étaient couverts de poussière et fatigués. Écoutez. Et Abraham a eu pitié de deux. Donc c'était des pauvres malheureux qui étaient en voyage. Hein? Abraham a eu pitié d'eux. Il a dit, remarquez, ces hommes-là savaient qu'ils venaient chez Abraham. Mais ils ont fait comme si ils étaient en train de passer. Amen. 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 Ils ont fait comme si ils étaient en train de passer. Ils étaient en train de passer. Et Abraham dit, venez donc vous asseoir un moment, hein, sous les chênes. Et pendant qu'il était là à leur parler, il a reconnu. Il l'a reconnu. Amen. Il a reconnu par leur façon de parler. Il ne les a pas reconnus par leurs vêtements. Frères et sœurs, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, par les vêtements, personne ne vous dira que vous êtes des chrétiens. De toute façon, les sœurs, les jupes que vous portez, ça ne vient pas des usines du message. Les jupes que vous portez, les robes que vous portez, les costumes que nous portons, ça vient des fabrications des couturiers, des païens, des mondains. Ils font cela pour vendre, pour gagner de l'argent. Donc, vos jupes là, il y a aussi des païens qui portent ces jupes là. Ça, c'est vrai. Les cheveux longs, si vous pouvez remarquer que toutes les stars féminines ont des cheveux longs. D'ailleurs, ils ne mettent pas souvent des bijoux. Amen. Donc, votre habillement ne vous fait pas des chrétiens. Ce n'est pas parce que vous êtes, parce qu'aujourd'hui, nous avons toujours l'habitude, oh, comme j'ai vu cette femme-là, bien habillée, je suis allé demander si elle était une sœur. Et quand tu demandes la femme, la personne te regarde comme ça. Ce n'est pas par les habits qu'on reconnaît les chrétiens. Mais cet homme-là, quand il a commencé à parler, amen, avec ces hommes qui étaient devant lui, c'est par là qu'il a reconnu. Yes. Parce qu'il avait déjà entendu cette voix-là sans voir la personne qui l'a parlé. La façon de parler, qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Amen. Yes, sir. Mais ils étaient sales. Amen. Amen. Parce qu'ils ne voyageaient pas avec des jets. Oh, hein? Ils ne voyageaient pas avec des Rolls. Amen. Les routes n'étaient pas goudronnées comme aujourd'hui. Amen. Ils étaient sales. Moi et toi, peut-être, on pouvait se poser des questions pour les recevoir chez nous. Amen. Parce qu'ils étaient sales, ils vont salir la maison. Ils vont salir les tapis. Amen. Oui, parce qu'ils étaient sales, la Bible le dit. Ils voyageaient donc à pied. Et là, il y avait de la poussière. La même chose quand Jésus est venu voir Simeon, il était sale. Amen. Dieu utilise les choses viles pour confondre les sages, les hommes sages. Amen. Amen. Dieu a toujours pris des gens qui sont. Nous sommes tous allés voir Wesley. Cet homme-là, il était un petit homme. Amen.
Cet homme est insignifiant. Mais néanmoins, Dieu est venu dans cet homme-là pour parler. Amen. Et Dieu a toujours fait comme cela. Amen. Dieu n'est pas allé dans les plus beaux temples qui étaient là en ville. Amen. Amen. Vous voyez, il dit, Abraham est allé, il dit, et pendant qu'il était là à leur parler, il a reconnu par leur façon de parler qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires, ils étaient différents. En train de parler. Mais toi, quand tu parles, nous parlons comme le monde, nous parlons comme tout le monde, et les gens disent, mais de toute façon, hein, tu es comme les autres. Mais Abraham, quand il a entendu ces gens-là, il y avait quelque chose de différent. Amen. Continuons simplement. Il dit, Abraham est allé tuer un veau, et l'a fait apprêter, et il a demandé à Sarah de faire du pain et de se préparer à leur donner à manger. Souvenez-vous, deux d'entre eux étaient des anges dans la chair humaine, et l'un d'eux était Dieu lui-même. Amen. Amen. Et celui qui était Dieu tournait le dos à la tente. Amen. Amen. Trois personnes. Frère Abraham nous dit que Dieu a envoyé trois anges. Il y a deux qui sont allés à Sodome. Amen. Il les a nommés frères et sœurs. Billy Graham et Oral Robert. Yes. Il les a nommés. Il a donné les noms. Mais il y a un. Parce qu'il a dit qu'ils sont trois. Il n'a pas nommé. Hein? Il disait toujours que Graham, s'y l'être. Après, il a laissé les gens comme ça. Alors attendons les septième lettres, les septième, les troisième anges, je ne sais pas, il viendra quand. Amen. Parce que eux, ils étaient ensemble. Ils ne sont pas venus que les premiers venus. Abraham l'a appelé, les deuxièmes venus, Abraham l'a appelé. Et les troisièmes venus après. Ils sont venus ensemble. Amen. Ils étaient au même moment. Amen. Amen. Ils exerçaient leur ministère au même moment. Amen. Mais les prophètes nous en ont mis deux. Il dit que l'autre là, c'est Graham, six lettres, chiffre des hommes. Et Billy Graham et Oral Robert ne sont pas des anges du diable. Non, non. Amen. C'est Dieu qui les a envoyés. Amen. 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 C'est la vérité. Mais ils avaient leur mission. Voilà. Amen. Dieu les a envoyés pour aveugler les gens, pour qu'ils ne puissent pas voir. C'est vrai. Amen. Mais il y avait un qui était avec eux. La préfère Madame nous dit que l'un d'eux était Dieu lui-même. Il y a combien de Dieu? Il y en a un seul Dieu. Amen. Et c'est lui qui était avec ces deux anges-là. Il était Dieu lui-même. Et il continue disant, et c'est lui qui était Dieu, tournait les dos à la tente. Pour vous prouver que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, je tourne mon dos. Amen. Amen. On avance. Alléluia. Et toujours dans le même message, paragraphe 68. Et toi, tu la portes. Et Sarah est restée dans la tente. J'aime Frère Vanondi. Elle parle des sœurs. Notre sœur Sarah. Et nos sœurs Sarah qui sont là. Il dit, j'aime voir une femme qui reste ainsi à sa place, non pas toujours en train d'aller dire à son mari quoi faire. Chaque fois que quelqu'un se présente. Au contraire, elle est restée dans la tente, probablement occupée à faire la vaisselle ou à autre chose. Aujourd'hui, il y a des sœurs, elles sont devenues des prédicateurs. Pendant que son mari parle, partage, elle aussi a quelque chose à dire. Bon, c'est très madame qui dit, mais on a dit, hein, je ne commande pas. Vous voyez, il dit, paragraphe 69, écoutez, frère Madame dit, hein, et c'est lui qui était Dieu. Je prononce bien. C'est lui qui était Dieu. Hein? En anglais, c'est la même chose. Hein? La citation. Oui, je crois que c'est la même chose. Ouais. Et c'est lui qui était Dieu, regardait constamment du côté de Sodome. Et il leur a dit ce qu'il fallait faire. Amen. Et deux anges sont allés là-bas prêcher l'évangile. Mais l'un d'eux est resté en arrière. Il dit, c'était celui qui était Dieu. Et il a dit,
Je ne veux pas cacher à Abraham les choses que je tiens secrètes, parce qu'il sera héritier du monde. Abraham étant héritier du monde, il ne doit pas avoir de secrets. Si toi, moi, nous sommes des héritiers du monde, parce que Dieu a créé sur cette terre pour que toi et moi puissions vivre ici. Amen. Nous n'irons vivre nulle part. Alléluia. Amen. Amen. Le monde a été créé pour l'homme. Amen. Frère Branham dit que quand vous irez au ciel, quand vous allez au ciel, hein, il dit vous êtes encore ici. Alléluia. Simplement dans une autre dimension. Amen. Bon, les dimensions là, on ne prend pas l'échelle. Okay, tu prends l'échelle plus grande, tu montes une certaine distance aux premières dimensions. Après, tu vas monter deuxième dimension. Non, non, ça ne se fait pas comme ça. Amen. Amen. Ah. Alors, combien c'est, regardons, lisons ce que je suis là. 70. Amen. Amen. Pourquoi? C'est lui qui était Dieu. Vous venez de lire. Il dit, c'est lui qui était Dieu. Il a dit, je ne veux pas cacher à Abraham les choses que je tiens secrètes, parce qu'il sera héritier du monde. Continuons. Oh, il dit, oh, nous avons le droit ce matin, Église, de connaître les secrets de la venue d'Israël. Alléluia! C'est la vérité. Amen. Oh, nous avons le droit ce matin, Virgile, l'Église, Virgile, de connaître les secrets de la venue du Seigneur. Amen. 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 C'est pas fini la situation. Continue. Vas-y. Parce qu'il a dit que comme Abraham devait hériter la terre, il ne faut pas que quelque chose lui soit caché. Et l'Église aussi. Les fils et les filles de Dieu qui héritent la terre ne doivent pas rester dans les ténèbres. D'ailleurs, Paul dit que pour nous, ce jour-là ne sera pas étranger. C'est le dernier épître de Paul. Oui, oui, c'est la parole. Amen. Et continuons, il dit, continuons. Il dit, heureux ceux qui procurent la paix, ils seront appelés les fils de Dieu. Amen. Heureux ceux qui ont faim et soif, ils seront rassasiés. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre comme Abraham. Amen. C'est pour cela que Dieu n'a pas caché des choses à Abraham. Et il dit, si donc l'Église du Dieu vivant doit hériter la terre, rien ne lui est caché. Amen. 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 Soit nous sommes l'église de Dieu, soit nous ne le sommes pas. Parce que si les prophètes que Dieu a envoyés, d'ailleurs envoyé signifie, ce n'est pas envoyé comme j'envoie une lettre à la poste. Frère Branham dit qu'envoyer, ça signifie venir. Amen. Quand Dieu envoie, il vient. Amen. Amen. Il dit, si donc l'église du Dieu vivant doit hériter la terre, rien ne lui est caché. Il dit, tout ce que le Père m'a dit, je vous l'ai dit, a déclaré Jésus. Et il n'arrivait pas à les croire. Frères et sœurs, nous devons connaître les secrets de sa venue. Amen. Amen. Parce que sa venue est secrète. Puis-vous. Quand il vient enlever l'église. Amen, 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 amen. Mais l'église doit connaître cela. Amen. 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 Parce que Abraham, Dieu ne pouvait pas garder secrètes les choses qui devaient venir. Hein? Frère Branham dit, il prend Luc 17 comme il a été au temps de Sodome. Il y en sera de même à la venue du Fils. Remarquez ce qui s'est passé à Sodome. Avant que la terre soit brûlée, amen, Dieu s'est révélé à Abraham le croyant. Amen. Amen. Frère, nous avons dit que Abraham a appelé Elohim. Et là, frère Abraham dit que Dieu, nous avons dit que c'était les blocs qui étaient là. C'est lui qui était là. La troisième personne, Abraham l'a appelé Elohim. Amen. Elle est là, Elohim. Amen. Donc c'était, il n'y avait pas que Dieu était resté quelque part. Mais la personne qui s'est présentée devant Abraham, c'était Dieu le Tout-Puissant
créateur de la terre et des ciels. Amen. Amen. C'est lui qui a créé toutes choses qui existent là, la terre et toutes choses qui s'y trouvent, la mer et ainsi de suite. C'est celui-là qui était devant Abraham. Amen. Et frère Abraham nous dit qu'aujourd'hui Dieu a envoyé trois anges. Ou bien, trois anges sont venus. Il a cité Oral Robert et Billy Graham. Dans la lettre audio à Levile, frère Branham, là c'est pour la première fois qu'il cite Branham. Il dit que Branham, sept chiffres, sept lettres plutôt. Amen. Amen. Et tout à l'heure, ce matin, le frère m'a donné, je ne savais pas, la signification de Branham. Amen. C'est Bran, c'est quoi les grains? Grains de blé. La peau des grains de blé. Oh, la peau, on ne peut pas enlever ça avec les grains. Amen. Quand la balle tombe, les grains restent avec cette petite peau-là qui l'entoure. Voilà. Donc ça fait partie du grain. C'est-à-dire quand on mange les blés, on mange cette peau-là. Amen. 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 C'est lui qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang. Amen. On avance. Amen. Et toi, tu es la porte, paragraphe 73. Prêché le 1er mars 59. Il dit, et Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur, au grand docteur en théologie, à une nation religieuse composée littéralement de millions de croyants. Il a dit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. Et ça fait, Jésus, il était dans les synagogues, il était avec des docteurs de la loi, des gens qui ont étudié les Écritures, s'il vous plaît. Il connaissait tous les recoins de la Bible. Amen. Tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui connaissent tous les recoins du message. Ça, qui ont lu toutes les brochures. Mais frère Branham leur dit que ils sont dans l'erreur. Amen. Parce que les boutons qui étaient devant eux, amen, Dieu s'est présenté devant eux, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont appelé Belzébul. Ils l'ont appelé démon. Tout comme aujourd'hui, les gens, soi-disant, qui croient la parole, qui prêchent ce message. Je répète, je ne parle pas aux pentecôtistes. Ce n'est pas mon truc. C'est du message. Amen. Les gens qui prêchent ce message, quand on leur dit que la plénitude de la divinité est dans cet homme appelé William Adon Branham, ils sont furieux. Des incrédules. Amen. Amen. Des païens. Amen. Amen. Des embrouilleurs. Ils méritent la prison. Ce sont des terroristes. Amen. La Bible dit, ne craignez pas celui qui tue l'homme, la chair, mais craignez celui qui tue l'âme. Frères et sœurs, Ben Laden a tué la chair des hommes. On ne peut pas craindre Ben Laden. Nous devons craindre les pasteurs qui tuent les âmes des gens. Amen. On devait les arrêter, les amener en prison. Oui, oui. Amen. Amen. Ce sont des malfaiteurs. Amen. Amen. Il dit. Il dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À une génération comme celle-là, formé d'hommes qui avaient reçu une solide formation, des érudits, amen, ayant grandi dans l'église. Hein? Écoutez, frère. Lorsqu'un enfant naissait, il était déjà propriété de l'église. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Quand il sort du ventre de la maman, il est cet enfant déjà propriété de l'église. Il est déjà couronné frère du message. Amen. Amen. Voyez, il dit, il était la propriété de l'Église. Vous deviez être un Israélite 8 jours après, écoutez, 8 jours après la circoncision. Voyez-vous, donc, tout était calculé, tout était fait de telle manière que cet enfant-là est déjà frère du message. Et quelques années plus tard, il devient prédicateur du message. Parce que papa, il est pasteur du message. Amen. Amen.
Lorsqu'un enfant naissait, il était la propriété de l'Église. Vous deviez être un Israélite. 8 jours après la naissance, c'était la circoncision. Et vous étiez Israélite dès le départ. Et les sacerdoces appartenaient aux Lévites qui avaient été formés pendant des centaines d'années dans les Écritures. Cependant, Jésus a dit, vous êtes dans l'erreur. Amen. Parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Mmh. Amen. Il dit, ils les connaissaient d'après leur propre livre d'études. Mmh. Ils les connaissaient d'après leur catéchisme. Amen. D'après leur propre théologie. Amen. Jésus a dit, vous ne connaissez pas les Écritures et vous ne connaissez pas la puissance de Dieu non plus. Si vous aviez connu Abraham, vous m'auriez connu. Amen. 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 S'ils avaient connu Abraham, il fallait qu'ils sachent ce qu'Abraham a fait. Amen. Amen. Abraham a reconnu Dieu dans la chair humaine. Amen. Abraham a parlé avec Dieu. Un homme qui a mangé. Amen. Donc c'était un pur homme, frère. Parce qu'un esprit ne peut pas manger du foufou. Non. Amen. Amen. Hein? Un esprit ne mange pas des boules. Hein? Hein? Mais c'était des hommes, frère, c'était des hommes comme toi et moi. La même forme, frère. Ils ont eu faim, ils étaient fatigués. La Bible dit qu'ils étaient fatigués du voyage. Il fallait qu'ils mangent de la nourriture. Ce n'est pas de la nourriture spirituelle qu'ils ont mangé. Ils ont mangé de la nourriture que Sarah a préparée pour qu'ils aient la force. Amen. Et Abraham a appelé cet homme-là qui a mangé du foufou devant lui, qu'il était Dieu. Et nous, aujourd'hui, nous avons peur de dire que c'est lui qui était resté avec les croyants et était Dieu. Amen. Frère, amen, dites amen, tout ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, mais au fait, on ne peut pas changer les Écritures. Non, non. Amen. Parce que Luc 17, 30 dit que, comme il en était au temps de Sodome, mais qu'est-ce qui était au temps de Sodome? Il y avait 3 anges qui sont venus, il y a 2 qui sont partis là, à Sodome, il y a 1 qui restait là, qui était Dieu. Mais comme c'était ces temps-là, ça doit être la même chose. Donc Dieu doit être là, amen, dans la chair humaine. Amen. Je ne dis pas que la moitié de Dieu, je dis que amen, Dieu tout-puissant. Amen. Parce que la Bible dit comme il en était à ces temps-là. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Comme il en était à ces temps-là, ça doit être la même chose. Mais pourquoi nous disons comme il en était à ces temps-là, mais aujourd'hui, moi, je fais quelque chose. Hein? On ne peut pas retrancher. Parce que la Bible, frère, c'est un type. Ça dit que ce qui s'est passé là-bas, textuellement, ça doit se passer aujourd'hui. Amen. Donc nous devons appeler cet ange-là, là qui était là au milieu d'eux, un Elohim. Mm. Dieu tout-puissant. Mm. Amen. Amen. Bon, je vais dire quelque chose. Parce que Jésus-Christ est un homme comme tous les hommes. Wow. Bon, on peut faire une parenthèse parce que sa chair, son corps était même. Et la Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Amen. Parce que c'était Dieu lui-même qui s'est fait chair dans cet homme-là. Mais la chair qu'il avait, il avait une chair semblable à un corps de péché. Mais c'était quand même un homme. Parce qu'il mangeait, il a pleuré un jour. Amen. Hein? Il était fatigué, il était malade. C'était un homme. Mais qu'est-ce qu'il faisait parce que, frère, Jésus-Christ est l'homme, n'est pas Dieu. Non. Amen. Ce qui a fait Jésus qu'il soit Dieu, parce que le Dieu Tout-Puissant est venu habiter en lui. Voilà. Je ne compare pas Jésus avec Branham. Parce que le corps de Jésus, c'est un corps spécial pour mourir pour nos péchés, pour se sacrifier. Mais après les sacrifices, frère, Dieu peut prendre n'importe quoi. Il peut prendre un ivrogne, il peut prendre un bandit à travers du sang versé de chat. Dieu les purifie et Dieu vient habiter pleinement dans cet homme. Amen. C'est ça la différence. Le corps de Jésus était pour les sacrifices. Voilà. Et comme les sacrifices ont été faits, donc nous sommes purs devant Dieu. Nous amen, sommes des saints. Donc amen, Dieu peut venir habiter pleinement dans toute sa plénitude, alléluia, dans un homme. Parce que le sang a été versé. Oui. Si nous croyons la parole, frère. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous voyez? Et l'homme qui était resté, le
les deux autres sont partis, Oral et Robert sont partis, Billy Graham est parti à Sodome pour avertir les gens, William Aaron Branham était resté, la Bible me dit que je l'appelle Dieu. Amen. 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 Là, je ne vous dis pas d'aller adorer Branham, parce que nous n'avons pas l'habitude d'adorer les hommes. Amen. Alléluia. Nous n'avons pas l'habitude d'adorer les chairs, la chair de, ni des animaux, ni des hommes. Et quand j'adore Dieu, j'adore pas Jésus-Christ de l'homme. Quand j'adore Jésus-Christ qui était dans Jésus-Christ. Amen, amen. Et Dieu Tout-Puissant, son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je suis venu au nom de mon Père. Voilà. Amen. Ça, c'est bien dit. Frère, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, la parole me dit que c'est lui qui était resté avec Abraham. Abraham l'a appelé Elohim. Amen. Amen. Frère Branham dit que c'est lui qui était Dieu. Écoutez, allons-y. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous me connaîtriez. Parce qu'Abraham s'est réjoui quand il a vu mon jour, car il l'avait vu à l'avance. Amen. Lorsque j'étais là, devant lui, dans un corps de chair, et que j'ai accompli ceci, il a su que c'était moi. Et moi, je sais que cet homme qui était là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que Dieu n'a jamais quitté la terre, mais il change seulement des formes. Amen. Il change les images. À cet ange, il a pris cette image de cet ange-là. Il est venu prendre l'image de Jésus. Et aujourd'hui, Dieu a pris l'image de Branham. Amen. Amen. Les gens nous disent que nous parlons de nous prêchons un homme. Mais bien sûr, nous prêchons un homme. Dieu de la chair humaine. Alléluia. Je prêche Jésus-Christ. Quand je parle de Branham, je parle de Jésus. Voilà. Amen. Amen. Je ne vous enseigne pas d'aller adorer Branham. Amen. Mais je vous encourage d'adorer le Dieu qui était dans Branham. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Amen. Dieu, frère, nous chantons, il y a des chants, des gens qui chantent le chant Dieu en Morphée. Mais ils chantent, quand ils chantent Dieu en Morphée, tout le monde est là, c'est comme si ils allaient monter au ciel. Mais quand on va leur dire que ce Dieu en Morphée, il est venu dans William Aaron Branham, il a représenté Dieu sur la terre. Amen. Il était Dieu. La Bible dit que à tous ceux à qui la parole est venue, ils sont de Dieu. Changez les Écritures. Changer les Écritures, ou bien on enlève les versets. On déchire cette page-là pour que ça n'existe plus. Mais si cette page-là se trouve encore dans les Écritures, croyons les Écritures. Ne soyez pas des incrédules. Je sais que j'ai dit des choses dures. C'est vrai. Wow. Il dit, lorsque j'étais là devant lui, dans un corps de chair, et j'ai accompli ceci, il a dit que c'était moi. Il m'a appelé Elohim. Mais voici que je fais la même chose devant vous. Hein? Et vous m'appelez Beelzeboul. Qu'est-ce qu'il a fait devant Abraham? Il a discerné les pensées, les intentions du cœur de Sarah. Amen. 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 C'est ça, non? Amen. Messie du Messie. Mais c'est ça. C'est pas compliqué, mes frères et sœurs. Et quand Jésus était là, il a discerné les pensées et les intentions du cœur. On va y arriver. Nathanaël, Pierre et tous les autres. Il a fait ces choses devant eux. Il fallait seulement qu'ils se réfèrent dans les Écritures qu'ils avaient entre leurs mains pour voir qui était devant nous. Parce qu'un homme ne pouvait pas faire cela. Nicodème est venu de nuit. Bien qu'il est venu de nuit, il est quand même venu. Mais eux ne viennent pas. Il est venu de nuit. Nous savons. Oui, ils savaient, mais ils avaient honte parce qu'ils étaient tellement grands, ils ne pouvaient pas se montrer avec cet homme-là sale. Vous voyez? Nous savons que. Mais au lieu de venir nous, il est venu lui seul. Amen. 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 Il dit, mais voici. On est 14, encore 14h25. Ok, c'est bon. Il dit. Voilà, il dit, mais voici, j'ai fait la même chose devant vous, et vous m'appelez Beelzeboul. Oh, disait-il, nous avons Abraham pour père. Vous appelez Abraham votre père. On lui a dit, mais nous sommes membres de l'Église. Nous sommes une nation religieuse. Nous sommes un grand peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Jésus a dit, vous êtes du diable. Il est votre père.
Bon, qui est plus méchant, c'est moi ou bien Jésus? Jésus. Parce que lui, il est radié en face. Puis c'était du diable. Amen. Et il savait, être du diable, c'est que ça signifiait. C'est la raison pour laquelle il était en colère. Il cherchait à les tuer. Parce qu'il les insultait. Amen. Et ça, c'est plus qu'une insulte. Amen. Paragraphe 55. Frère Freddy, ça va? Ça va très bien. Magnifique. Ok. Toujours la porte étroite. Combien je pourrais comparer cette fois-là? Maintenant, m'arrive encore. Combien je pourrais comparer cette génération-là à celle-ci? Alors qu'aujourd'hui, il y a littéralement des millions de gens qui professent le christianisme et qui n'en connaissent pas plus au sujet de Dieu que nos tantôt n'en connaissaient au sujet d'une nuit égyptienne. Amen. Oh, le Congo, c'est le pays où il y a plus de chrétiens. C'est le pays où il y a plus des incrédules. Amen. Amen. Nous avons 15 millions de membres dans notre église. Païen. Nous avons, c'est l'église, notre église, même si tu as Gombe, tu vois, païen. Oh, moi, c'est cela, j'ai un gros ventre, païen. Je n'ai pas besoin de gros ventre. Parce que c'est ça, les gens pensent quand ils sont gros, qu'on puisse les respecter. Excusez-moi. Frère, non, c'est malheureux, frère. Nous respectons les gens qui prêchent la parole. Amen. C'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de gens que nous ne devons pas te respecter. Non, on ne peut pas respecter les diables, frère. Non, non. Hein? Oh, moi je suis l'ancien. Oui, mais les serpents étaient l'ancien. Savez-vous que les serpents étaient l'ancien d'Adam? Qui était plus âgé entre les serpents et Adam? C'est pas ancien. C'est le serpent? Le serpent ancien. Oui. D'ailleurs, la Bible l'appelle le serpent ancien. Oui! C'est pas moi, c'est la parole. C'est les Écritures qui les dit. Hein? La Bible l'appelle le serpent ancien. Donc, si nous tournons un peu les mots ancien serpent. Amen, 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 amen. Vas-y. Un stagiaire. Donc, frère, l'histoire des anciens, il ne faut pas avoir peur des anciens. On respecte les anciens quand ils nous amènent la parole. On les respecte bien. Si nous pouvons faire tout ce qu'il faut, que nous pouvons voir pour les aider, pour qu'ils puissent répandre l'évangile. Mais on ne respecte pas les anciens serpents. Parce que la Bible dit que les serpents avaient la connaissance de tous les principes de la vie. Amen. Ils avaient les maras. Amen. Donc il était plus intelligent qu'Adam. Adam ne savait pas que s'il va avec sa femme, il y aura des enfants. Mais les serpents le savaient. Parce qu'il était un ancien. Il avait l'expérience. Il avait des enfants. Il avait une femme. Parce que Dieu, il a une femme. Donc, les serpents avaient plus d'expérience de la vie qu'Adam. C'est pour ça qu'il est venu vers Ève, lui disant que quand vous mangez cet arbre-là, vous serez comme de Dieu. Parce que lui, il savait. Il avait fait cela. Wow. Sa femme a enfanté. Ils ont donné la vie. Okay. Vous voyez? Donc frère, ne craignez pas les anciens serpents. Non, non. Mais respectons les vrais anciens qui amènent la parole. Amen. Qui travaillent pour l'avancement du royaume. Amen. 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 Frère, maintenant, compare cette génération-là à celle-ci. Amen. Il dit, alors qu'aujourd'hui, il y a littéralement des millions de gens qui professent le christianisme. Et qui n'en connaissent pas plus au sujet de Dieu que nos dantôt n'en connaîtraient au sujet d'une nuit égyptienne. Des hommes et des femmes aujourd'hui, il y a littéralement des millions
qui professent le christianisme et qui se réclament le Christ, mais qui ne connaissent pas le rudiment de la puissance de sa résurrection et qui n'ont jamais goûté sa bonté. Ils n'ont jamais senti sa puissance. Devant la vérité, ils sont aveugles. Yes, sir. Ils parlent tout, ils font tout. Mais la Bible dit quand ils arrivent à Christ, ils sont aveuglés. Parce que Christ, c'est un esprit, c'est une onction. Amen. Amen. Et devant la vérité, les gens sont aveugles. Oh, moi j'ai guéri les malades, on s'en fout. Amen. 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 Les sorciers guérissent les malades. Ça, c'est vrai. C'est pas compliqué cette histoire-là. Amen. Hein? Les bakoko guérissent les malades. Amen. De toute façon, la maladie, frère, c'est aucun homme n'a jamais guéri quelqu'un, ni Jésus. Amen. Amen. Jésus disait, femme, ta foi t'a sauvée. Amen. Amen. C'est la foi de la personne. Si quelqu'un a foi à cette fille, cette petite fille, que si cette petite fille prie pour elle, elle sera guérie. Exactement quand la petite va prier, la personne sera guérie. Amen. Si tu amènes les gens à te croire. Amen. Amen. Il dit que si toi, Branham, tu amènes les gens à te croire. Parce que si je crois à Branham, c'est pour cela que quand les gens croyaient à Branham, même s'ils ne priaient pas, le fait de les voir présent, la personne est guérie. Amen. Parce qu'ils croient que cet homme-là, devant cet homme-là, j'aurai la guérison. Amen. Hein? Cet enfant, ce jeune en Afrique du Sud, qui était né aveugle, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Il y a quelqu'un qui est là. Il y a des miracles. Amène-moi là-bas. Je sais que quelque chose se passera. Son père n'avait pas la foi. Mais lui, il croit, il a cru. Et quand il a vu cet homme, il a été guéri. Amen. 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 Donc la guérison, frère, de toute façon, écoutez, la puissance sans la parole, frère, c'est diabolique. Amen. Amen. Branham. La puissance sans la parole, hein, c'est diabolique, c'est démoniaque. Ça, c'est vrai. Parce que écoutez, la parole que je vous ai donnée est vie et esprit. Amen. Donc c'est la parole qui amène tout cela. Amen. Il a envoyé la parole et la parole est guérir tous. Amen. Amen. Pendant que nous sommes en train de prêcher la parole là, c'est à quelqu'un qui est malade et qui dit, tu captes l'esprit de la parole, tu dois être guéri au nom de Jésus. Amen. C'est pas si compliqué que ça. Non. Oui. Donc nous ne pouvons pas avancer de oh moi, non, il a fait ceci, il a guéri les malades. Oui, partout les pentecôtistes guérissent les malades, des véritables guérisons. Matthieu 7, 21. Il y aura ces jours-là qui viennent nous disant, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai guéri les malades, j'ai prophétisé, je ne vous ai jamais connu. Amen. Mais les malades là étaient vraiment guéris. Les médecins ont contrôlé, ils ont dit que c'est une véritable guérison. Amen. Il n'a pas dit que je ne vous reconnais plus. Parce qu'il peut penser, il peut se souvenir. Mais je ne vous ai jamais connu. Amen. Hein? Alors, après, c'est quoi? Vous qui commettez l'iniquité. Vous savez que ces choses que nous prêchons sont la vérité. Mais vous ne voulez pas l'accepter. Et c'est le crédit des hypocrites. Voilà. Vous avez pour père les diables. Amen. Amen. Parce que l'histoire des milléniums. Oh, elle prêche que les mystères. Alors. Mais les ministères du mal. Frère, disons. Frère, voilà. Frère, voilà. Hé, nous sommes là. Ah. Écoutez. Hein? Il dit. Frère, toujours les mystères. Mais vous voulez que nous prêchions quoi? Vraiment. Hein? Écoutons, disons, c'est pas moi qui parle. Amen, amen, amen. Finalement, on arrive dans le premier saut. Le 18 mars 63, paragraphe 68. Finalement, on arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu. Frère, écoutez. Donc, quand ces gens-là ont prêché la justification, il avait loupé quelque chose. Amen. Quand ils ont prêché la sanctification, il y avait quelque chose qu'ils avaient loupé. Amen. Quand ils ont prêché le baptême du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manquait. Amen. Il dit... mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges, toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez, dans le cours de la révélation, il révèle ces choses-là dans son jour.
hein, des septième anges. Il dit, si vous voulez le lire, c'est là, dans Apocalypse 10, 1 à 4 environ, que vous les trouverez. Très bien. Voyez, écoutez, il prend les livres et c'est lui des sceaux et il les brise. Et il les montre au septième ange. Écoutez, car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci, le mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, vous, le mystère, pour tout le monde, le mystère, c'est. Mais que voulez-vous? Les ministères du septième ange, ce sont les mystères. Uniquement. Oh, nous avons commencé l'église comme frère Madame a commencé. Nous allons commencer d'abord par justifier. Après, nous allons les sanctifier. Après, nous allons les baptiser du Saint-Esprit. Tout ce qu'il a aimé, il les a justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Alléluia. Amen. Oh, voyez, frère Madame, toi, quand il a commencé, frère, moi je suis dans les pays. Tu me donnes la nourriture de l'Égypte, je ne peux pas. Donne-moi la nourriture du pays. Je suis né dans les pays, je vis dans les pays. Frère, comment voulez-vous? C'est pour cela que nous, les Africains, nous sommes ici en Europe. Nous aimons tout manger, manger du bon nous. Et quand on est malade, on n'arrive pas à nous traiter. Alors, au lieu de manger la nourriture là où nous nous trouvons, nous ne voulons pas nous intégrer dans le pays. Et les hommes, même si c'est soi-même dans la parole. Voyez? Hein? Frère, c'est son père qui est dans l'Égypte, c'est pas moi. Moi, je suis pas en Égypte, moi, je suis né dans le pays. Donnez-moi la nourriture du pays que je mange. Alléluia. Amen. Une justification. Va là-bas avec ta justification. Donne-moi la nourriture du pays. Donne-moi le mystère. Alléluia. Parce que dans le mystère, il y a toutes les choses. Les ministères du septième ange, uniquement. Premier saut, donc, hein, je répète la citation. Hein, premier saut, prêché le 18 mars 63, paragraphe 68. Ah, c'est trop bon. Hein, je répète cette chose-là. Amen. Hein, car le ministère du septième ange, c'est uniquement ceci. Ah. Le mystère de Dieu. Pas autre chose, frère. Oh, nous allons d'abord en Égypte faire des briques. Je ne peux pas faire des briques, frère. Je refuse. Oh, la manne, moi je ne veux pas la manne. Je suis dans les pays, donnez-moi du blé du pays. Que je mange, c'est ça que j'ai besoin pour grandir. Oh, nous allons commencer comme frère Branham. Mais frère Branham, il a commencé parce qu'il fallait qu'il commence. Parce qu'il n'y avait rien. Hein? Voyez-vous, tout a été détruit, comme sur le mont Carmel. Avant que Élie puisse offrir les sacrifices, il fallait qu'il restaure d'abord. Amen. Mais toi, tu es très bon, hein? Troisième saut. 20 mars 63. Vas-y. Paragraphe 54. Et maintenant nous voyons, il y a encore du temps. Jusqu'à quelle heure? Nous devons quitter la salle à 16h. 16h. Vous n'êtes pas fatigué, n'est-ce pas? Amen. Vas-y. Merci. Et maintenant nous voyons alors que ces mystères doivent être révélés. Amen. Amen. Pourquoi donc ces autres hommes, Wesley, Luther et ces grands réformateurs qui ont apporté la justification, la sanctification et l'âge de la Pentecôte, l'âge de Pentecôte avec le baptême du Saint-Esprit et tout, pourquoi n'ont-ils pas saisi ces messages? Comment toi, tu crois les messages de William Aaron Branham, tu continues à justifier les gens comme militaires? Voyez-vous que c'est quelque chose qui ne va pas? Hein? Donc, en fait, ce sont des rétrogrades, frère. Comment voulez-vous toujours nous ramener à Luther? Hein? Il dit, pourquoi ne les ont-ils pas reçus? Parce qu'ils étaient des réformateurs. Voyez? Hein? Voyez? Et c'est comme, regardez-le de l'autre point de vue. Il y en a qui sont venus et qui avaient reçu autorité comme roi, mais qui n'étaient pas des rois. Voyez? Voyez? Il faut bien remarquer. Écoutez, il faut bien remarquer la terminologie de la Bible pour toutes les choses. Amen. Amen. Hein? Quand on lit la Bible, nous devons faire attention. Amen. Amen. C'est pour ça que ça sert à rien de lire la Bible sans un prophète. Amen. Tu vas te perdre dans la forêt.
Amen. Vous voyez, il dit, et il faut bien remarquer la terminologie de la Bible pour toutes choses. Vous voyez, maintenant remarquez, écoutez, nous arrivons à quelque chose. Mais ça, la raison pour tous ces points en suspens, écoutez, hein, tout ce que Luther a laissé, tout ce que Wesley a laissé, tout ce que les pentecôtistes ont laissé. Amen, dit ceci. Mais ça, la raison pour tous ces points en suspens, écoutez, la partie mystérieuse de la justification. Amen. La partie mystérieuse de la sanctification. Amen. La partie mystérieuse du baptême du Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand on croit Dieu dans la chair humaine, on a toutes ces choses-là. Amen. C'est Dieu qui vient habiter en moi qui me justifie. Amen. C'est Dieu qui est en moi qui me sanctifie. Amen. C'est Dieu qui est en moi qui me baptise du Saint-Esprit. Amen. C'est Dieu qui est en moi qui m'a mis dans les millénions. Amen. 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 Hein? Je n'ai pas besoin de vous dire que vous savez, Luther est un fumeur de cigares. Vous allez faire quoi? Vous voulez justifier les gens avec Luther. Donc vous allez dire aux gens, écoutez, croyez seulement, mais vivez comme vous voulez. Fumez. Hein? Parce que Luther fumait. Ah ouais. Il aimait bien voir les belles femmes. Donc vous allez les justifier, mais c'est ça Luther, n'est-ce pas? Les justifier par la foi. Donc tu crois seulement pour un homme, c'est fini. Va fumer la cigare, va aimer les femmes, faites ceci, cela. Voyez-vous que ce n'est pas la parole? Mais nous prenons la partie mystérieuse. Amen. Que le septième ange a mené. Quand le septième ange est venu, quand il a habité un homme, à l'homme, amen, il s'est révélé lui-même. Je suis la justification. Je suis la sanctification. Je suis tout. Les mystères cachés de tous les temps. Amen. À savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Frère, toi, tu n'as aucun effort pour te justifier, frère. Non. Nous avons fait des efforts. Vous voyez, nous, quand nous avons pris le message, frère, là, donc, vous voyez, moi, j'ai mis lavé avec des savons antiseptiques. Alors, les frères qui étaient avec nous, qui nous ont envoyé le message, c'était deux pasteurs. Ils sont partis en ville parce qu'on habitait au village, au Pays-Bas, là. Donc, je lui ai dit, frère, peux-tu m'acheter un savon, là? Il a pris l'argent, il est parti. Et en revenant, il me disait, frère, nous sommes partis au magasin. Ils ont dit que les savons là, ça n'existe, il n'y en a pas et ça ne viendra plus. Donc, simplement parce qu'ils ne voulaient pas que je me lave avec ces savons là. Parce que c'était un péché. Et moi-même, je suis allé, les savons étaient là. Donc, les frères m'ont menti. Vous voyez? Nous, on ne pouvait pas s'habiller avec des costumes comme ça, on ne pouvait pas s'habiller comme ça, des habits neufs, parce que sinon, on allait séduire les femmes. Donc, il fallait acheter des habits de seconde main. Je me souviens, on a acheté une jupe pour ma femme. C'était compliqué cette histoire-là. Mais que Dieu ait sa miséricorde envers ces hommes-là. Parce qu'ils voulaient nous emmener dans une prison, quelque chose comme cela. Frère, avec les légalistes, vous n'allez nulle part. Vous savez, les légalistes cachent quelque chose en eux. Vous voyez, pour montrer aux gens qu'ils sont saints, ils montrent le légalisme. Mais derrière là, sont des hypocrites. Amen. Sont des critiqueurs, sont des impudiques, sont des soulards et toutes ces autres choses. Mais devant les gens, ils sont des saints, comme ces pharisiens qui étaient avec Jésus. Amen. Donc, le légalisme, ça nous amène nulle part, frères et sœurs. Amen. Amen. Ça va nous ajouter des problèmes. Amen. Mais nous ne sommes pas aussi la grâce, c'est la grâce, je ne sais pas quelle grâce là. La grâce infinie, et agapé, embrassez-vous, ceci, cela. Nous ne croyons pas à ces choses. Mais je crois que quand Dieu vient habiter dans l'homme, Dieu dans l'homme conduit cet homme-là. Amen. Dieu dans l'homme conduit cette femme-là. Amen. Je ne crois pas que si Dieu habite dans un homme, que Dieu puisse envoyer un homme et une femme de faire des choses bizarres. Non, non. Hein? Que d'envoyer, d'aller dans une boîte de nuit. Vous voyez que ça ne se fait pas. Vous voyez? Amen. Nous ne sommes pas, comme nous avons dit vendredi, nous ne sommes pas des policiers. Si nous voulons jouer la police, allons seulement en ville, inscrivons-nous à la sécurité. Comme ça, l'État va nous prendre la sécurité et puis nous allons mettre de l'ordre dans la ville. Mais Dieu ne nous a pas appelés d'être des policiers. Nous sommes des prédicateurs de l'Évangile. Amen. Amen. Notre responsabilité, c'est prêcher l'Évangile. Amen. Amen. Si la personne croit l'Évangile, il va vivre selon l'Évangile. Ensuite, nous avons prêché le message, les sorties dans les sorties. Quand nous sommes sortis du monde, nous entrons dans un royaume. Donc dans ce royaume-là, quand vous êtes ici au Royaume-Uni, vous avez les lois de ce pays-ci. Vous devez vivre selon les lois du pays.
Amen. Si vous vivez selon les lois du Congo, tu aurais des problèmes, on va vous chasser. Amen. C'est la même chose de la parole. Si nous sommes sortis des dénominations, Amen. Si nous sommes sortis dans les églises, nous entrons dans un royaume. Et dans notre royaume, là, il n'y a pas d'interdiction, mais simplement on nous montre comment marcher. Et je dois marcher selon le royaume. S'il ne marche pas selon le royaume, tu es foule. Amen. Parce que tu es étranger, tu es entré par la fenêtre. Amen. Tu es entré à Calais. Au lieu de prendre l'avion pour atterrir à Luton, bien, à Hitro, bien quoi, toi tu viens à Calais. Vous voyez? Et là, ils ont mis des barrières, tu vas mourir. Vous voyez? Frère, nous prenons la partie mystérieuse. Amen. De la justification, de la sanctification et de toutes ces choses-là. Amen. Amen. Frère, voyez-vous, nous allons prendre un petit exemple pour finir. Cette femme qui était une prostituée. Amen. Amen. Voyez-vous, cette femme était une prostituée. Amen. Jésus s'est présenté devant les pharisiens. Il s'est présenté devant les théologiens. Amen. Ils l'ont appelé Belzéboul. Hein, dans Jean chapitre 4. Voyez. Mais cette femme prostituée. Amen. Et que cette femme ne pouvait même pas s'approcher des sacrificateurs. De toute façon, elle était samaritaine. Donc déjà pour commencer, il ne pouvait même pas aller au temple. Parce que ce n'était pas permis pour les étrangers. Amen. Et en plus, cela était prostitué. Regardez, cette femme était isolée. Amen. Il ne pouvait pas aller épouser de l'eau avec d'autres jeunes filles. Parce qu'elle allait souiller les autres. Amen. Elle était indigne. Amen. Elle vivait dans la honte. Amen. Oh, mais elle était fille de Dieu. Amen. Quand Jésus s'est présenté devant elle, elle, en écoutant la parole, elle a reconnu. Envoyé les signes, mais si, elle a reconnu. Ils ont fait voilà. La demeure future, prêchée le 2 août 64, paragraphe 257. Il dit, là, vous dites, eh bien, regardez ces sacrificateurs. Est-ce qu'ils n'étaient pas un fils de Dieu? Frère, lisons la citation du frère Branham. Hein, pour voir qui est méchant. Méchant. Il dit, là, vous dites, eh bien, regardez ce sacrificateur. Est-ce qu'il n'était pas un fils de Dieu? Ça a prouvé qu'il ne l'était pas. Pas. Les sacrificateurs dans les temples. Amen, en fait, amen. Il n'était pas fils de Dieu. Mais il s'est retrouvé dans une église en train de prêcher. Amen. Amen. Hein? Ça a prouvé qu'il ne l'était pas. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu reconnaître? Est-ce qu'il disait, je crois la Bible? Bien sûr. Oh, vous toujours, Branham, Branham, mais la Bible est là. La Bible, c'est la parole. Ces sacrificateurs croyaient la Bible comme toi. Mais il était quoi? Il n'était pas fils de Dieu. Il avait plusieurs versions de Bible chez lui. Amen. De toute façon, je crois qu'il avait ça dans la tête. Parce qu'il avait étudié ça depuis le jeune âge. Mais il n'était pas fils de Dieu. Amen. Frère Bernard dit que ça prouvait qu'il ne l'était pas. Mais ils ne pouvaient pas reconnaître la parole de l'heure. Frère, oh moi ceci, il a dit ceci. Frère, la vie éternelle, c'est reconnaître la parole de ton heure. Que tu le veuilles ou pas, ça ne change pas les Écritures. Frère, oh, la Bible dit, croyons aussi la Bible. Oui, je le crois la Bible. Mais aujourd'hui, pour m'éclairer ce qui se trouve dans la Bible, j'ai un prophète. Amen. Je dois, vous savez, dans les temps, pour connaître les hommes spirituels, ce n'est pas celui qui gênait tous les jours. Ce n'est pas celui qui prêchait tous les jours. Ce n'est pas celui qui allait à l'église tous les jours. Mais c'est lui qui consultait les prophètes. Amen. C'est celui qui était un homme spirituel, frère. Amen. Les hommes et les femmes spirituelles consultent les prophètes avant de faire quoi que ce soit. Remarquez David, parce qu'il n'a pas consulté les prophètes, il a fait un dégât. Amen. Un innocent est mort. En amenant l'arche. Amen. Selon leur propre pensée. Amen. Au lieu de voir les prophètes qui savent comment on porte l'arche. Il l'a ignoré. Amen. Lui, il a régné les généraux. Oh. Les conseils des diacres, les administrateurs, les anciens serpents. Demande conseil aux anciens serpents. Alors que nous avons un prophète dans les camps. Amen.
Oui, les Bibles, nous avons tous des Bibles, plusieurs Bibles chez nous. Mais frère, les sacrificateurs avaient les Bibles chez eux, la Torah. Mais ils n'ont pas reconnu ce qui était écrit dans ces livres-là. Amen, continuons. Nous allons vite finir. Il dit, tout ce qu'il avait, c'était une instruction intellectuelle d'un groupe qui avait été là avant lui. Amen. Ils avaient les expériences des anciens. Amen. Il dit, frère, j'aime bien que frère Branham dit que, et c'est la même chose aujourd'hui. C'est ça que j'aime avec frère Branham. Il prend les choses qui étaient dans ce temps-là, il ramène ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce que ces gens-là ont fait, les gens le font encore aujourd'hui. Pareillement. Amen. Voyez, je sais que c'est fort, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Amen. Frère Branham dit, hein? Il dit, la parole était là, exactement telle qu'elle avait été prononcée pour ce jour-là. Et lui, pourtant, il était un hérétique. Pourtant, il était quelqu'un de connu. Seulement, il n'a pas pu les reconnaître. Amen. Il était reconnu partout de par le monde. Un grand homme, des grandes églises. Amen. Des docteurs. Maintenant, dans ce message, bien, parce que c'est déjà des bishops. Donc, bientôt, ils seront des archibishops. Vous savez, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit de Rome. Ouais, ouais. Ce sont des catholiques. Hiérarchie. Parce que c'est à Rome que ça a commencé, ces histoires-là. Des cardinaux. Quatre bons cardinaux. Frère, ça vient venir dans le message. Parce que moi, je suis ancien serpent, il faut que je sois au-dessus de tout. Oui, parce que les serpents dominent tout. Le monde est dirigé par les serpents. Alors, maintenant, il faut qu'il dirige tout. Il dit, la parole était là, exactement telle qu'elle avait été prononcée pour ce jour-là. Et lui, pourtant, il était un érudit. Frère, parce que les gens pensent que les milléniums, c'est nous qui avons inventé ça. Les gens pensent que l'enlèvement, c'est nous qui avons inventé ça. C'est comme si ce n'était pas dans les projets qu'ils fabriquent eux-mêmes. Est-ce que nous avons la possibilité de produire des projets? Non. Les imprimantes que nous avons, ça ne va même pas faire des projets, là, ça ne va pas finir. Et comme on n'a pas assez d'argent, nous allons nous limiter là. Mais ils ont des machines, ils font des brochures, ils lisent les brochures, ils interprètent même les messages eux-mêmes, mais ils ne croient pas ce qu'ils ont écrit dans ce qu'ils font. Amen. Amen. C'est comme si, alors que nous sommes allés prendre les brochures qu'ils ont fabriquées, qu'ils ont imprimées, nous avons lu et on prêche cela, ils ne peuvent pas croire. Mais pourquoi vous faites les brochures? Laissez. Parce que ça, vous faites vraiment. C'est bizarre ça. Vous faites quelque chose pour aider les gens, mais vous ne voulez pas croire ce que vous avez fait. Donc vous avez infecté ces choses-là. Amen. C'est comme si tu vas au restaurant, tu manges la nourriture, les cousins ne veulent pas manger ce qu'il a fait. Et maintenant qui veut manger ça? Pour que je meure. Parce qu'avant que tu manges, avant que je mange, toi-même tu manges. Hein? Mais toi tu as introduit, tu as traduit, tu as fait des brochures, tu as fait ceci, cela, tu as fait des minus. Bon, ok, Minus. Nous qui croyons, c'est que tu as fait ou bien quoi? Frère, vous savez, c'est compliqué cette histoire. Amen. Amen. C'est très compliqué, frère. Mais d'ici 4 du matin, vous savez, ça va se savoir. Ça va se savoir, frère. Ça va se savoir. Ah, il dit. Ah, oui, il me reste trois citations. Il dit, pourquoi, peu importe combien il était érudit, et tout ça, il n'avait toujours pas la représentation de la prédestination. Amen. Amen. Vous voyez, c'est ça la chose. Il n'a pas été prédestiné, mais il était quand même un grand prédicateur. Les sacrificateurs, ils étaient connus partout, respectés partout. Quand tu passes, tout le monde est debout. Vous voyez? Vous voyez, frère, ce qui est dommage que nous pouvons voir des frères et sœurs qui vivent avec nous ici, ils envoient leur dîme en Afrique, mais ils fréquentent des églises ici. Vous savez, vous, que ce sont des voleurs. Amen. C'est comme si tu vas au restaurant, tu manges au restaurant, tu payes l'argent, tu envoies l'argent au restaurant que tu mangeais là au pays. Mais tu ne vas pas sortir du restaurant avant d'arrêter. Moi, j'ai préparé la nourriture, tu ne me payes pas.
Mais tu vas payer au restaurant, au cuisinier qui est dans ton pays. Mais ramène chez toi. Frère, il n'y a pas de pasteur international, ça n'existe pas. Il y a des pasteurs dans les églises locales. Voilà. Que l'église ait 1 million de personnes, tu es quand même pasteur d'une église locale. Quand tu viens ici, tu es notre frère. Amen. On te respecte, bon, pour, parce que la fonction, on va dire pasteur tel, mais sache que tu es notre parti, pas mon pasteur. Non, non. Non, non, tu es frère. Même si c'est le frère qui est mon pasteur, je vais dire que c'est lui mon pasteur. Toi, tu es frère. Amen. Tu as une responsabilité d'une église locale. Tu as été établi pasteur d'une église locale. Nous n'avons pas des ambassadeurs, des ambassades. Que la représentation, les sièges se trouvent. Nous n'avons pas de sièges. Moi, je n'ai pas de siège à Jeffersonville. Ah oui, frère. Je ne reçois pas des ordres de Jeffersonville. Non, non, non. Amen. Hein? Je n'ai pas de tics, je n'ai des comptes à rendre à personne. Ce n'est qu'à Dieu. Amen, amen. Amen. Nous n'avons pas on appelle ça quoi? Des quartiers généraux. Il n'y en a pas. Les QG, il n'y en a pas. Les QG, c'est Jésus-Christ la parole. Amen, amen, amen. Vous voyez? Parce que si j'ai des questions, je ne vais pas appeler, je vais regarder la parole. Voilà. C'est la parole qui va me conseiller. Amen. Amen. Parce que nous ne voulons pas des conseils des anciens serpents. Parce que lui avait ses idées pour que, comme moi, nous sommes en Europe, pour qu'ils vont nous détourner comme ça, pour que chaque fois, il va dire, ah oh, oui, ah, notre frère est là. Et, non, non. On soutient les gens qui travaillent pour Dieu. Amen. On les soutiendra. Tant qu'ils se tiennent de la parole, on va soutenir. Amen. Amen. Il dit, non, le Dieu puissant dévoilé devant nous, regardez ce prêtre. Lorsqu'ils virent s'exprimer tout à fait conformément à la parole, ce qu'il était, ils dirent c'est Belzéboul. Cela montrait d'où venait leur nature. Celle-ci reflétait l'opinion moderne de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent la généralité. Donc nous sommes la majorité. Frère Branham dit que la majorité, quand Christ est là, amen. Vous pouvez être 2 personnes, 3 personnes. Mais si Christ est là, vous êtes majoritaire. Amen. Parce que c'est Christ qui fait que vous soyez majoritaire. Par contre, vous pouvez être 10 000, 15 000, 20 000, 150, tout cela. Si vous n'avez pas Christ, vous n'avez pas la véritable parole, vous êtes toujours minoritaire. Amen. Dit le prophète. Amen, amen. Amen. Il dit, cela montrait d'où venait leur nature. Celle-ci reflétait l'opinion moderne de l'époque. Mais cette petite prostituée qu'il rencontra à la porte et à qui il dit, exprimant son signe messianique en lui disant ce qu'elle avait fait, eh bien, elle a répondu, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que le Messie, quand il sera venu, nous annoncera toutes ces choses. Amen. Elle les reconnaissait comme le Messie. Amen. Pourquoi? Parce que cet homme-là a discerné les pensées et les intentions de cette femme-là. Elle ne connaissait pas cette femme, elle savait que cette femme-là était prostituée, qu'elle avait un problème. Elle a dit tout ce qui était dans son cœur. Et cette femme-là, elle n'a pas réfléchi. Elle n'a pas dit qu'écoutez, je rentre d'abord au village demander les anciens. Mais dans son état, directement, elle a reconnu. Amen. Amen. Et voyons ce qui s'est passé après. Amen. Amen. Hein? Frère, remarquons cette chose-ci. Dieu Tout-Puissant dévoilé devant nous le 29 juin 64. Amen. Vous voyez, que ce soit Nathanaël, frère, quand on l'a appelé, quand il est venu, quand il a écouté cet homme, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Il a dit, milliers de milliers de signes, de photos, on fait le tour du monde. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens ne veulent pas croire. Ils ne comprennent pas. Parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à comprendre ces choses. Amen. Amen. Écoutez ce que frère Branham dit, ce qui t'est arrivé avec cette femme-là. Il dit, 74, Dieu puissant dévoilé devant nous, il dit, peut-être Dieu a-t-il dû faire tel était l'alliage pour obtenir le timbre particulier de cette cloche, comme le fait le fondeur. Mais lorsque Jésus s'est retourné et a dit, je le suis, moi qui te parle. Jésus qui était là a dit que je le suis. Moi qui te parle. Parce qu'il dit que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Il dit, il n'a pas été, il dit tout parler de Belzéboul. La femme n'a pas dit que tu es Belzéboul. Mais elle a dit, une prostituée, frère, s'il vous plaît. Une prostituée, il n'était pas né dans l'église. Il n'a pas fréquenté une école de l'église.
Amen. Amen. Il n'a pas eu l'aide du pasteur. Parce que nous avons aussi des pasteurs assistants sociaux. Ils donnent de la soupe. Ils donnent de l'argent, payent des billets pour que les gens viennent à l'église. Ouais. Pour que les gens voient qu'ils ont une grande église. Hein? Simplement, ils peuvent s'inscrire à l'État. Ils seront de bons assistants sociaux. Vous voyez, parce que l'État cherche, parce qu'il y a tellement, il y a beaucoup de gens défavorisés. Ils cherchent des hommes qui savent s'occuper de ces gens-là. Voyez-vous, ces pasteurs, on peut les envoyer à l'État. Vous savez, l'État a toujours beaucoup d'emplois à donner. Vous voyez, un bon assistant social, tu vas gagner beaucoup d'argent, tu vas vivre mieux. Mmh. Voyez-vous, tu n'auras plus de problèmes avec les gens de l'église. Hein? Vous voyez, ça c'est un bon conseil aux assistants sociaux. Vous voyez, ça sera très bien. Assister les gens qui n'ont pas de logement. Vous voyez, maintenant il y a beaucoup de réfugiés, ça demande beaucoup de personnes. Voyez-vous, alors dans les églises, il y en a plein. Vous voyez, ils vont assister des Turcs, de tout ça, des Syriens, même des Somaliens, tous ces gens. Vous voyez, ils ont besoin d'aide. Vous voyez, mais les pasteurs, au lieu d'être dans la place, là, à l'assistance sociale, ils viennent dans les églises. Vous voyez? C'est dommage. Amen. Il dit, je le suis, moi qui te parle. Il n'a pas été du tout parlé de Bélisébule. Hein? Il a laissé sa cruche en courant dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Frère, et si certaines personnes pouvaient dire que je suis allé visiter un frère, regardez ce qu'il m'a dit, allons vers ce frère-là, parce qu'il m'a dit des choses que je n'ai jamais entendues. Mais aujourd'hui, quand tu vas dire cela, tu es allé où, chez frère Eric? Maman a allé. Mais pour qu'est-ce que tu es allé faire là-bas? Hein? Vous ne savez pas, ce sont des sectes, des fausses doctrines. Ouais, et le frère lui fait quoi? Il est découragé. Frère Eric l'appelle, le frère, oh non, voyez, ces jours-là, voyez, à l'église, on avait des choses à faire. Non, dis seulement que les pasteurs m'ont interdit. Vraiment. Ouais. Faut pas, parce qu'après tu commences à mentir. Alors que la Bible dit que ne vous mentez pas les uns des autres. Mmh. Voyez. Amen. Amen. Or, qu'est-ce que produit cette terre? Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas justement le Messie? Voyez-vous, cet enseignant qui dit, oh, que produisit cette union des écritures anciennes avec l'expérience que Jésus lui donnait? Quel en fut le résultat? Cela a produit le Messie. Maintenant, écoutons. Amen. Ce que frère Branham dit concernant cette femme. Il dit, et l'avez-vous remarqué? Aussitôt, ses péchés lui ont été pardonnés. Le fait de reconnaître. Amen. Le fait de reconnaître le message de son jour, le fait de reconnaître le Messie, Dieu dans la chair humaine, automatiquement, frère, nous n'avons pas vu là où il est parti prendre le baptême d'abord. Non. Nous n'avons pas vu là où il est allé d'abord se sanctifier. Direct. Il dit, frère, madame, faire remarquer. Là, elle avait-vous remarqué? Aussitôt, ses péchés lui ont été pardonnés. L'avez-vous remarqué? Quand Abraham a reconnu cela, il a été tout de suite changé. Amen, 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 amen. Amen. Oh, avec clin d'œil, nous serons changés. Tu vas attendre longtemps. Longtemps. On va bien. Très bien. On t'amène de la cible que tu mets dans la figure, comme ça tu changes. Oh, nous allons disparaître. Disparaître quoi? On va vous mettre des fûts, des soudes caustiques. Bon, comme ça, vous disparaissez. On n'a même pas les os. Et les gens vont dire que vous êtes enlevés. L'avez-vous remarqué? Aussitôt, ces péchés lourds ont été pardonnés. Parce qu'au commencement, frère, cette femme-là n'était pas est devenue chrétienne ce jour-là. Et bien qu'elle était prostituée, frère, elle était chrétienne. Amen. 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 Elle avait une représentation au ciel. Amen. Bien que beaucoup d'hommes venaient chez elle, mais elle avait quand même la représentation. Il fallait que les temps arrivent pour qu'ils puissent rencontrer l'autre partie. Amen. Amen. Il dit, parce qu'au commencement, elle était rachetable, parce qu'elle était dans la pensée de Dieu au commencement. Donc, cela l'a racheté ou l'a ramené directement. Je vous enverrai Élie le prophète. Il ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Et cette femme-là a été tout de suite ramenée. Amen.
lorsqu'elle a vu la manifestation de l'Écriture exprimant Jéhovah, c'est qu'il était ce qu'il est. Alléluia. Ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Oh, nous attendons Jésus. C'est le temps parce que c'était l'Église, c'est le temps pour te perdre de l'argent. C'est le temps Jésus où? Jésus est déjà là. Amen. C'est clair. Est-ce qu'on fait ça? Non. Citation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternel. Ce qu'il était, ce qu'il est aujourd'hui. Parce que lui, c'est le Jésus. Amen. Alors, pour finir, ça c'est une belle citation, j'aime ça. Les signes. Tout. Nous allons finir là-dessus. Amen. Amen. Il dit dans les signes prêchés le 8 mars 64, paragraphe 117. Écoutez, frère, c'est simplement nous pouvons croire ces choses-ci. Il dit, les promesses de Dieu, scellées par le sang, nous affranchissent du péché et de la honte et nous distinguent du reste du monde. Amen. Les promesses de Dieu, scellées par le sang, nous affranchissent du péché. Amen. Le fait de croire la promesse de l'heure, le fait de croire Dieu dans la chair humaine, frère, tu es affranchi. Amen. Tu es libre. Amen. Tu es libre des gourous. Tu es libre des anciens serpents. Amen. Tu es libre du monde. Tu es libre du péché. Amen. Amen. Hein? Dans la Bible, de qui condamnera les fils de Dieu? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Qui? Tu vas dire quoi? Amen. Parce que moi, je crois la parole. Toi, tu es juste. Tu ne sors pas de père de voir des femmes nues. Tu es incrédule. Mais tu t'es pris. Donc, en fait, tu es en prison de toi-même. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde ici, dans un couvent. Amen. Et même ceux qui ont fait des couvents pour fuir les péchés, en fait, ils ont fabriqué des couvents pour faire les péchés. Ouais. Ah, en fait, c'est ça. Oui. Parce que le but de couvent, c'était pour fuir les péchés. Amen. Mais en fait, ils ont fait les couvents pour faire les péchés, pour qu'on ne les voie pas. Amen. Donc, toi, tu vas t'enfermer là, tu fais ton propre couvent pour faire les péchés. Parce que comme tu ne les vois pas, c'est la route, mais tu as quand même un ordinateur là chez toi. Ouais. Donc, tu le vois d'ailleurs en live, personne ne te voit. Calme. Tu es tranquille. Ouais. Tu as fait ton propre couvent et tu vas mourir dedans. Tu vas sentir mauvais. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. On peut acclamer pour le Seigneur. Amen. Vous avez été bénis. Amen. C'est la parole de Dieu. Vous dites amen à cela? Amen. Voilà, c'est une preuve. Vous êtes rachetable. Hein? Paul a dit en Hébreux 11, 6, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il... Le français dit qu'il existe. Mais en anglais, on dit qu'il doit croire qu'il est. Amen. Dieu, il est le grand, je suis, il est toujours au présent. Amen. Il est toujours au présent. Dieu n'est pas dans le passé. Il est au présent. Et les mystères de Dieu nous intéressent. Amen. Je sais que beaucoup de gens... minimise les mystères, mais les mystères ont leur place. Vous comprenez? Lorsqu'il est venu chez Abraham, il a dit à Abraham les secrets. Mais à ceux-là qui étaient à Sodome, on ne leur a pas dit les secrets. Alors, lorsque vous voyez des gens qui ne s'intéressent pas aux secrets, ils sont suspects. Amen. Amen. Peut-être qu'ils ne sont pas rachetables. Amen. Alors, j'ai aimé la prédication. J'ai été béni. Amen. Je comprends que nous devons comprendre que Dieu est un Dieu inhabituel. Amen. La dénomination, c'est lorsque les gens arrivent au niveau où ils pensent que nous avons maintenant connu Dieu, nous nous sommes organisés, maintenant c'est fini. Si Dieu doit avancer, il doit passer par
par notre système. Dieu, vous le mettez dans un box, dans une boîte. Amen. Amen. Et je réalise que dans chaque âge, Dieu laisse toujours les boîtes. Amen. Il laisse toujours les boîtes et il prend toujours ceux-là qui sont hors des boîtes. Amen. Et qui font les choses autrement. Amen. C'était comme ça au temps d'Élie. Amen, amen. C'était comme ça au temps de Michel. Mm. C'était comme ça au temps de Jésus. Yes, sir. C'était comme ça au temps de Frère Branham. Amen. Et maintenant, comme il est le grand Je suis, nous continuons dans le message. Amen. Yeah. On ne parle pas du passé, nous parlons du présent. Amen. Et les choses que Dieu laissait, c'était des choses qui étaient établies, reconnues, donc par l'État et par la société. Jésus, lorsqu'il est venu, il a trouvé la religion, donc le judaïsme, était une religion qui était établi, reconnu, accepté. Amen. Amen. Mais la manière dont Dieu a travaillé avec Jésus, c'est que il est passé comme quelqu'un qui n'était pas venu par rapport à tout ce qui était établi, tout ce qui était reconnu, tout ce qui était respecté, accepté. Amen. Amen. Alors on pouvait lui dire que, mais toi, tu es né d'abord comme ça, tu es comme ça, tu es ceci. Amen. La fille de la femme au puits, elle a été rachetée. Mais elle n'est pas passée par les systèmes et les choses qui étaient établies. Amen. Le frère Branham est venu la trouver des églises établies. Amen. Des églises établies, acceptées par les hommes. Que l'État même donne la permission de prêcher, mais que Dieu ne reconnaît pas. Amen. Et chaque fois que cela vient, ça amène une responsabilité. Est-ce que vous, vous allez rester avec ce qui est établi, ce qui est accepté? Ou bien vous allez marcher avec Dieu? Amen. C'était ça le problème du jeune homme riche. Il ne pouvait pas faire ce pas-là. Non. Comme le pasteur Gilles l'a dit ici, il était né dans le judaïsme, circoncis le huitième jour, il allait à l'église tous les jours, il connaissait toute la loi de Moïse, mais il a rencontré un monsieur qui était hors de ces histoires-là. Oh, le système. Dieu est l'habituel. Yes, sir. Maintenant, peux-tu vendre cette connaissance-là et marcher avec la parole faite chair? Amen. Amen. Bien que ça paraît bizarre. Amen. Amen. On remercie le Seigneur. Amen. La loi de Dieu, c'est de se confier dans un prophète qui l'a confirmé. Amen. Yes, sir. Frère Branham a été confirmé. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Amen. Que le Saint bénisse le pasteur Gilles, comme lui-même n'est pas là. Amen. Donc nous avons été bénis. Que Dieu puisse le ressourcer. Amen. Amen. Nous allons chanter. Alors que nous chantons, nous allons illuminer la parole. Amen. Amen. Méditez, parce que vous savez que chaque fois que vous écoutez une prédication, vous ne restez pas la même personne. Amen. 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 Chaque fois que vous écoutez une prédication, vous ne restez pas la même personne. Amen. Quelque chose se passe en vous. Amen. Soit vous vous rapprochez plus de Dieu, ou soit vous vous éloignez de Dieu. Chaque prédication, soit vous rapprochez de Dieu, ou ça vous éloigne de Dieu. Amen. Donc, nous allons chanter un peu Cité perdue. Cité perdue va très bien avec cette prédication. Amen. Alors que les gens regardent là au-dessus, attendant le Dieu imaginaire, Abraham, peut-être qu'avant qu'il ne voit les trois hommes, il regardait aussi au-dessus. Peut-être qu'il verrait un Dieu imaginaire qui vit à Jupiter, qui est sur Mars. Mais lorsqu'il a vu Elohim dans la chair, amen, amen. Il l'a reconnu, amen. Amen. Donc, il n'y a pas à regarder maintenant au-dessus, on regarde à la parole faite chair. La parole faite chair, c'est notre Dieu. Amen. C'est ce qui vous crée. C'est ce qui pardonne vos péchés. C'est ce qui vous rachète. On y va? Si t'es perdu.